ces phrases à valeur de maxime. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est peut-être même l'opportunité en conscience de vivre une nouvelle renaissance. Incroyable. Les renaissantes et les renaissantes ne se sentaient pas en renaissance le temps de la renaissance. Il n'y a que Vasari pour avoir écrit Renaissance dans un petit carnet, tranquille pépère, à Florence. Mais sinon, c'était vraiment une crise, multi-crise, culturelle, topographique. Et c'est les modernes, une fois installés dans l'époque, qui ont dit qu'entre eux et le sombre Moyen-Âge, il y avait une zone de métamorphose qu'ils ont appelée la Renaissance. Nous, je pense qu'on vit une nouvelle Renaissance, mais qu'on en a conscience. Donc on peut y participer. On peut dire à nos futurs descendants ce qu'on aura fait dans cette grande métamorphose, qui est le nom candidat que je propose à l'époque. Pourquoi grande? Parce que j'ai pas envie de vivre une petite métamorphose. On sent bien que le Moyen-Âge, c'est pas eux qui ont choisi le nom. Hein. Donc, autant se dire la grande métamorphose. Et autant dire à nos petits-enfants, ben moi, j'ai fait ça dans la grande métamorphose, du moins j'ai essayé. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Meilleure phrase, l'avenir, c'est un prétexte, mais c'est aussi une invitation à l'expérimentation. C'est un terrain de volonté plus qu'un terrain de prédestination. Et ça, c'est une invitation à écouter le bruit de la forêt qui pousse et pas seulement celui de l'arbre qui tombe. En fait, les médias, c'est pas la réalité, c'est une perception. Et en plus, ils sont même pas méchants, il n'y a pas un grand dessin. Juste, je les pratique, c'est juste un habitus. En fait, ils prolongent ce qu'ils ont connu. C'est la difficulté de voir neuf dans un monde où tout est à réinventer. Donc, ne pas les croire sur parole, c'est peu dire. Mais en tout cas, essayer d'écouter le bruit de la forêt qui pousse. Je trouve qu'en ce moment, la forêt qui pousse, elle pousse fort. Et il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Une belle phrase de Patrick Vivray, encore une fois. C'est, il y a une inversion de la charge de la preuve. En fait, je pense que les folles et les fous sont plus ceux qui veulent bifurquer. Les folles et les fous sont seuls, celles et ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça sans rien changer. En fait, l'hérétisme a changé de camp. Et donc, ça ne fait pas gagner plus d'argent, mais en tout cas, ça évite de perdre du temps. Et je pense qu'on est dans une grande aventure, une grande épopée, comme on en a eu des fois, pas tout le temps, des fois. Et si on est dans cette grande épopée de métamorphose, je pense qu'on est les chevaleresses et les chevaliers de cette épopée. Et si nous étions les chevaleresses et les chevaliers de cette épopée, notre devise pourrait être à cœur vaillant, rien n'impossible, mais à cœur écrit à la sauce de ma soupe. Je vous remercie.